un campus virtuel aux allures de jeux vidéo. Depuis la rentrée, environ 10 000 étudiants de l'école de commerce Neoma peuvent y suivre leurs cours. Le principe est simple, les élèves et professeurs modélisés via un avatar peuvent interagir entre eux dans une école numérisée. Un moyen pour rassembler les étudiants des différents campus situés à Reims, Paris et Rouen. Pour Jeanne, étudiante à Rouen, cet outil donne un coup de vue aux applications de visioconférence classiques. Le fait d'être modélisé et d'être dans un, je vais pas dire un vrai endroit, mais presque en fait, un endroit virtuel, mais voilà, on a des murs, des chaises, des salles de cours, donc c'est ça l'avantage. Une révolution qui bouscule élèves comme professeurs, obligés d'innover dans leur méthode pédagogique. Il faut totalement changer le contenu du cours et également la façon de transmettre l'information. On a de plus en plus en fait des outils qui vont permettre de développer l'interaction avec l'étudiant. Là, par exemple, j'utilise aussi très régulièrement en cours un autre outil qui s'appelle WooClap, qui va permettre par exemple aux étudiants de voter à un moment donné dans le cours avec leur smartphone. À l'étude depuis plus d'un an, la mise en place de ce campus virtuel a été accélérée pour répondre aux contraintes de la crise sanitaire. Cet outil est extrêmement pertinent, puisque comme vous le voyez par exemple ici, ils assistent à une session de cours, qui est le premier cours de leur semaine autour de la gestion de crise. Le prof réalise le briefing auprès, il doit y avoir 120 étudiants actuellement connectés. Et après, chacun des étudiants va pouvoir travailler par groupe de 4, 5. Pour l'heure, 40% des cours de l'école de commerce sont dématérialisés, mais on nous l'assure, le diplôme à la fin de l'année, lui, sera bien réel.